merde. Mais what, mais je suis vraiment un cassos. Je voulais faire une blague en buvant de l'eau pour une fois et j'ai renversé de l'eau. On peut dire que ma blague est tombée à l'eau. Bon les mecs, arrêtez les conneries. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais on se retrouve pas pour n'importe quelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Oui je sais, je dis ça à chaque vidéo. Et oui je sais que je dis ça à chaque vidéo. Mais cette fois-ci c'est vraiment une vidéo spéciale, parce que je vais pas jouer à Fortnite. Je vais réagir à mon premier top 1 sur Apex Legends, sur Fortnite. Mais avant que la vidéo commence, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Déjà pour commencer, on commence par les bonnes choses. Je sais pas pourquoi je fais geste. N'hésitez pas à mettre mon code sticky-YTB dans la boutique. Majuscule, minuscule, c'est comme vous voulez, faites-le, ça me ferait hyper zizir. Aussi, un autre truc que j'ai à vous dire, j'ai créé ma marque de vêtements. Donc c'est pas vraiment moi qui... Je sais pas comment vous expliquer. Si vous voulez plus d'informations, il y a Farod, je crois, qui l'a bien expliqué. Je vous mets sa vidéo en description. Mais en gros, c'est un site... Putain, je sais que je vais essayer de vous expliquer, mais vous allez rien comprendre. Mais en gros, c'est un site qui s'appelle Teespring, où quand t'es youtubeur, et ben tu peux aller sur le site et tu fais ton logo sur Photoshop ou sur Premiere Pro, comme tu veux, ou sur Paint. Oui, il y en a, ils font des trucs sur Paint. Ça existe. Et après, tu prends l'image et tu la colles sur n'importe quel... Sur un pull, blanc, noir ou rose, comme vous voulez. Bref, sur le pull, j'ai fait un peu... J'ai fait une collection un peu japonaise. Donc voilà, donc il y a écrit un truc dessus. N'hésitez pas à deviner dans les commentaires ce qu'il y a écrit dessus. Celui qui y arrive, je lui offre une règle. Ok, c'est pas très utile, mais ça sert dans certains cas. Donc voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Je sais, vous allez voir les prix, vous allez dire « Oh, mais c'est trop cher !» Je sais, c'est cher, enfin, c'est vraiment cher. Mais c'est de la qualité, je peux vous dire... Je sens mes poils qui frétillent, c'est hyper doux. Petite pause dans la vidéo parce que j'ai oublié de vous dire vite fait que voilà, il n'y a pas que... Je vous présente le pull dans la vidéo, mais il n'y a pas que des pulls, il y a plein de trucs. Il y a des coussins, il y a des tasses, il y a des coques d'iPhone, il y a des t-shirts pour des pour les filles, pour les enfants, pour les hommes, etc. Il y a de tout. Donc vous allez trouver pour votre bonheur sur les sites pour l'instant. Il n'y a que la collection Japon. Il y aura d'autres collections dans le futur. Je voulais aussi préciser que je force personne à acheter, mais vraiment personne. C'est extrêmement cher, je vous l'accorde. Mais je force personne à l'acheter. Si vous avez envie de l'acheter, vous achetez. Si vous avez pas envie d'acheter, vous achetez pas. Aussi, je voulais dire que si vous allez dire ouais, Sticky, tu dis que c'est cher, mais baisse les prix. Alors, ce n'est pas moi qui mets les prix. Ça veut, enfin, c'est le site, c'est eux qui choisissent les prix. Et moi, par exemple, là, sur 30 euros, je suis sincère avec vous. Sur les 30 euros, par exemple, vous achetez 30 balles, je vais pas toucher du tout 30 balles. Je touche 6 balles, même pas, je crois que je touche même pas quelques... Ouais, 5 euros, même pas, même moins, je pense. Mais bref, du coup, juste pour vous dire ça, je force personne à acheter. Mais en tout cas, merci, merci à ceux qui achètent. Et aussi, si vous voyez que le pull, il est trop grand sur moi, c'est juste parce que je me suis trompé de taille, hein. Ou vous avez juste à prendre votre bonne taille, et ça sera nickel. Bref, assez blablaté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais réagir à mon premier top 1 sur Fortnite. Bon, c'est pas vraiment mon premier top 1, c'est... J'avais déjà fait des top 1 avant, mais c'est mon premier top 1 sur ma chaîne YouTube. En gros, le premier top 1 que j'ai fait sur YouTube en vidéo. Donc on va réagir à ça ensemble. J'espère que je vais pas trop avoir de malaise. Ça va être hyper dur pour moi. Rien que regarde la gueule, frère. Je peux... J'ai déjà honte, les mecs. Bref, on met le casque. N'oubliez pas votre plus grand pouce bleu. Soutenir dans la boutique. Vous connaissez les bails. Bon ouais, vous voyez là, le casque il a un peu pété en deux. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai ragé. Mais bref, faites pas attention à ça. On a d'autres soucis. Bref, la vidéo elle date du 20 mars 2018. Et là, on est le 8 mars. Donc ça fait bientôt un an. Putain, déjà. Wow, frère. J'ai pas envie de regarder. Je sens que je vais avoir le malaise en moi toute la vidéo. Bref, c'est parti. Bon, Mahmoud, faut qu'on parle. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle... En parlant de Mahmoud. Putain. Je vous annonce officiellement le retour de Mahmoud. Bon, on n'a pas besoin d'applaudir, on s'en bat les couilles de lui. Ouais, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire il est passé où Mahmoud. C'est vrai que je l'avais un peu oublié, mais bon, je vous jure, il est de retour en force sur cette chaîne. Allez, on te remet là, espèce de petit chenapan. Bref, continuons la vidéo. Enfin, ça commence déjà mal. Et waouh, mes cheveux, frère. Fortnite. Par contre, en un an, il y a plein de choses qui ont changé. Le décor, il a changé. Ma coupe, elle a changé. Mon visage, il a changé. Le casque, il a changé. Mais il y a tout qui a changé en bien, sauf le casque. Il est à moitié de travers, j'avais déjà un meilleur casque. Je suis désolé de te dire, mais je te quitte pour Fortnite. Je sais que t'es dégoûté, mais pour me pardonner, je te fais un petit bisou. Non, 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 non. Non, 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 non.
Je censure. J'ai pas envie de regarder ça. Si vous voulez regarder ce moment hyper malaisant, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Vous regardez cette vidéo en entier et après vous allez voir la vidéo dans la description. L'absence va les mecs, arrêtons les conneries. Je suis quand même en train de me moquer de moi-même. Mais non, mais regardez cette gueule. Ok, c'était une période sur YouTube, j'avais pas encore percé, entre guillemets. Parce que là, on peut pas dire que j'ai percé. Mais c'était une période où je me cherchais sur YouTube, où je cherchais ma personnalité. Donc, j'essayais de me donner... J'essayais de me donner une personnalité. Et du coup, ça rend tout malaisant. Mais bon, on te respecte, Sticky du passé. On t'aime quand même. Mettez hashtag, on t'aime Sticky du passé. Faudrait que j'arrête de me donner des claques au début de mes intros. Là les mecs, est-ce que je me suis donné une claque au début de la vidéo? Non, je crois que je me suis pas donné de claque. Non, 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 il y a un truc qui a changé, c'est que j'ai arrêté de me mettre des claques. Plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour du Fortnite. Bon, oui, encore du Fortnite. Si t'es pas contente, c'est ce que tu fais, tu vois la foufoune à ta maman. Et bah la foufoune à ta maman, et bah tu l'ouvres comme ça. Enfin, plutôt comme ça, parce qu'elle est quand même un peu grosse. Bon, si je te le dis, c'est que je m'y connais. Et après l'avoir ouvrir, tu rentres dedans, tel un Esquimau qui mange de la glace à Madagascar. Et après, tu vois, tu grimpes bien dedans, à l'intérieur, là. Tu grimpes, et tu te poses dans son ventre. Et tu restes dans son ventre d'hippopotamus. Là, en plus, ça pue l'anus à l'intérieur. Et tu restes dedans, et tu fermes ta gueule. Non, après... Qu'est-ce que j'avais? Mais j'avais un problème dans le cerveau! Désolé, ça met hors de moi, les mecs, désolé. Oh, j'ai envie de prendre le dentifrice et de l'écraser comme ça, ça gicle. Les mecs, pardonnez Sticky du passé, s'il vous plaît. Waouh, mes frères, mes... Attends, mais ma vidéo, elle est même pas démonétisée, elle est même pas interdite aux moins de 18 ans. Bref, les mecs, aujourd'hui, on se retrouve pour du Fortnite et on se retrouve pas pour faire top 10, top 50, top 6. On se retrouve pour faire top 1. Bon, allez, pour te faire plaisir, on va au stade de foot, Wifoon. Bon allez, est-ce qu'il y a une petite arme là? Je crois. Bon que... allez, pour te faire plaisir, on va au stade de foot, Wifoon. Bon. Ok, si, il y a un moment où, ok, c'est parce que je crois que ma vidéo, elle a dû être au moins de 18 ans. Parce que je disais, waouh, frère, Starfoot là, j'étais matrixé par un démon, Frère, le démon, c'était Adam le rigolo. Je crois qu'il y avait Adam le rigolo qui était dans mon cerveau. Putain, frère, parce qu'en fait, je crois que j'avais... Je disais tellement de gros mots que la vidéo, elle avait dû être au moins de 18 ans. Et du coup, ce que j'avais dû faire, c'est qu'il y a un truc sur YouTube pour cuter. Et du coup, j'ai dû cuter pour pas que la vidéo soit interdite au moins de 18 ans. Frère, si... Quand je te dis que j'étais matrixé... Bon, allez, est-ce qu'il y a une petite arme? Les mecs, si vous ressentez du malaise à partir de maintenant, quittez la vidéo. Je vous autorise. Pour une fois, je vous autorise à quitter la vidéo. Bah, faites-le. Parce que même moi, j'ai envie de faire ça, de claquer des doigts et de me retrouver ailleurs. D'ailleurs, je le ferai dès que le malaise il est trop important pour moi. Putain, déjà, il y a personne. Les petits pompes violets. Comme ça, je pourrais pomper la daronne aux gens qui viennent me voir. Vous l'avez... Mais non, mais pourquoi tu... Mais non, mais Sticky, mais qu'est-ce que t'avais? Mais je crois que ma chaîne, elle s'appelait même pas Sticky, elle s'appelait Kiki, tellement que j'avais un cerveau de Kiki, frère. Waouh, mais j'en peux plus. Vous l'avez vu. Oh, attention, le premier fight de Sticky. Va-t-il le tuer? Putain, mais je suis une merde! Ouais, c'est une grosse merde. Arrête les vidéos. Ouais, mais d'où? D'ailleurs, je jouais manette. Donc, je dis pas que ceux qui jouent manette, vous êtes nuls. Mais en tout cas, moi, sur manette, j'étais nul. Boum! Allez, va voir. Par contre, la langue qui bouge, ça date pas d'aujourd'hui, hein. D'ailleurs, les mecs, dans les commentaires, vous me dites, MDR, ta langue, regardez comment la langue de Sticky, elle bouge. Je vous mets au défi de vous filmer en jouant. Moi, ma langue, elle bouge, mais ça se trouve, vous, c'est votre nez qui bouge. Oh, je viens de voir un truc dans la description que je vous disais au début de la vidéo. Bon, les mecs, je voulais juste vous prévenir que s'il y a quelques bugs pendant la vidéo, c'est juste que j'ai dû enlever quelques moments de la vidéo via le logiciel de montage inclus dans YouTube, qui est un peu pourri. Bon, déjà, je tricite YouTube, mes frères, t'es... T'es 10 fois plus pourri. Pourquoi j'ai enlevé quelques scènes de la vidéo à cause des droits d'auteur? Oh le mytho! Désolé pour ce... Oh mais putain, mais je suis un de ces mythos en vrai. J'ai dit pour les droits d'auteur, mais c'est juste que je disais des trucs interdits. C'est même pas interdit au moins de 18 ans, je disais des trucs interdits au moins de 65 ans, frère. Voir ta mère la folle là-bas. Non, non, putain, oh, frère, à peine je mets... Je passe les moments. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est directement dans la description. Hein. Elle est elle fait du moonwalk sur les escaliers. Chez, chez. Chez. Ouais, là-bas, juste là-bas. Attention, le deuxième fight de Sticky. Oui. Non, my god, on tire dessus. On s'enfuit, la maison. On pose un piège et on monte en haut. Putain, il est juste là. Bon, je faisais déjà du bon montage, hein. C'est pas pour, c'est pas pour me mettre la fleur sur le nez, mais je faisais du bon montage. Boum. Bon, par contre, il y en a un encore là-bas. Putain.
What the fuck? Mais non! Mais pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave, c'est encore une fois la première game de toute ma journée. Bon, c'est pas grave, c'est encore une fois la première game de toute ma journée. On va dire que je suis deg, mais ça, c'est pas grave parce qu'on en recommence une. Bon, allez, on saute direct et on va à Anarchie à Cresse. Bon, putain, est-ce qu'il y a une arme? Une arme, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas d'arme. Oh oui, il y a un coffre à l'intérieur. Oh, le sauveur. Bon, allez, venez là maintenant, je vous attends. Putain, oh. D'où je le touche pas? Oh! Attention! Why non! Mais je suis nul! Mais putain, mais j'étais plus pourri qu'aujourd'hui. Un peu normal, je jouais à la manette. Hein. Attention. Putain, j'ai fait un move. Attention. Non, putain! Allez! Non! Non! La vie de ma mère est essentielle. Si je retrouve ta mère, tu... Non, non. Tu vois ta mère, eh ben non, je vais non, faut une passe, arme. Putain, y'a pas d'arme. Passe. Il me faut une arme. Je veux ma vidéo, elle va être démonétisée. Il me faut une arme. Putain, y'a pas d'arme. Putain, non. Oh, oh oui, un pompe. Attention, non, attention. Allez, non. Sticky. Oui. Let's go. Allez, Sticky, on t'aime. Why? Mais non. Putain, mais aussi c'est. Oh, oh, oh. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai déjà envie de quitter, de mettre. Allez, je mets un pouce rouge. Bon, on retourne à Shifty Shaft. Et boum, on atterrit. On fait repérage d'armes sur Shifty Shaft. Ok, là, il y a une arme. Oh non, c'est la carabine. Il me faut une vraie arme. Allez, un pompe pour pomper toute leur famille. Là, je peux vous dire. Mais... qu'on va faire du sale. Tellement qu'on va faire du sale, il va en rester sur la culotte. Bon, ok, on part. C'était drôle par contre. Hein. Shifty Shaft avec 0 kill. Mais on repart bien avec 2 pompes pour pomper 2 fois plus de maman. Bon, là, on est. Machallah, ça tire là-bas. Je pense que c'est sur cette game que je vais faire top 1. Boum, on est des bâtards. Avouez, on est des bâtards. Par contre, il tirait sur quelqu'un juste là-bas. Oh, il le shoot. Je me plains de mon shoot, mais frère, c'était 10 fois pire. Boum, de qui? Cher, cher, cher. Bon, là, en vrai, on est hyper bien. Allez. En vrai, on est hyper bien. S'il te plaît, donne-nous du lourd. Oh, Scarach en or. Boum. Boum. Oh, oh, il nous a mis bien là. Hein. Top 18, allez, faut qu'on fasse top 1 pour mes abonnés. La pauvre Mesquina. Oh, vous l'avez vu. Pourquoi j'ai lancé un la pauvre Mesquina? Ah, je crois que j'ai... Oh, encore une fois, je crois que j'ai dû dire un truc interdit aux moins de 18 ans. J'ai dû le couper au montage, du coup, on entend juste Mesquina. Enfin, au montage de YouTube. Et... Putain, je suis vraiment un cas particulier. Vu là-bas, juste là-bas. Je sais pas si on tire. On l'a eu une fois. Bon allez, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. On prend pas de risque. Putain, il y en a un qui est monté juste en haut de la montagne. Il y en a un juste là. Oh, il s'est caché dans le buisson. Oh non, on l'a pas eu. Oh le bâtard, le bâtard, le bâtard, le bâtard. Oh, j'en peux plus. Si je pouvais supprimer la vidéo, je le ferais maintenant. Mais c'est une trace, les mecs. Ça arrive de partout. Putain. Oh, c'est chaud, il y en a un juste là. Allez, boum! On l'a niqué! Putain, y'en a un qui s'est fait niquer là-haut! Ouah, top 3, les mecs! Top 3! Non! Oh, on me tire dessus! Oh, il le crie là, il était bizarre! Attention, Gosaka Kashishon! Oh, y'en a un juste là! Oh, les deux derniers! Y'en a un juste là, et y'en a un juste en haut! Putain, y'en a un juste en haut, y'en a un juste en bas, sa mère! Ils se fight, les deux, ils se fight! Oh, il est mort! Il est mort, il est mort! Les mecs, top 2! J'ai un tremplin! Putain, j'ai pas de tremplin, les mecs, top 2! Elle est sicky. On croit en toi. On rush parce qu'on est des fous. Ouais, t'es un fou, frère. Attention, va-t-il faire top 1? Droit d'auteur. Désolé, je peux pas laisser cette musique. Bon, je pense qu'on va en rester là, les mecs. Hein. J'ai envie de signaler la vidéo. Bref, les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets la vidéo en description si vous voulez regarder la fin. Parce que moi, j'ai plus la force de la regarder. N'hésitez pas à liker, n'oubliez pas mon code créateur Sticky-YTB dans la boutique. Désolé si en ce moment, il n'y a pas eu trop de vidéos, mais je reviens en force, promis. Bref, n'oubliez pas le like, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à aller insulter l'ancien Sticky. Putain, allez, je quitte la... Wow, j'en peux plus. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et sur ce, moi, je vous dis... Ciao. Why always me? Ooh, oh, like I'm bad.